Bonjour Delphine Ernotte, vous êtes présidente de France Télévisions et il se trouve que France 2 organise le 4 avril prochain un débat en vue des prochaines élections européennes du 26 mai prochain. Vous organisez ce débat et vous avez cru qu'il était possible de l'organiser sans le Parti communiste qui présente pourtant une liste lors de ces élections européennes. Je vous rappelle quand même que le Parti communiste, c'est 7000 élus à travers toute la France, c'est plus de 800 maires, c'est deux groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est plusieurs parlementaires au Parlement européen, et donc je ne comprendrais pas que vous puissiez persister à refuser de permettre au Parti communiste d'exprimer sa voix à l'occasion de ce débat. Ce serait d'autant plus injuste que le Parti communiste est le seul parti de gauche à avoir refusé tous les traités européens. Il sera aussi sans doute le seul parti à présenter à l'occasion de ces élections 50% d'ouvriers et d'employés. Ce ne serait donc pas respectueux de la démocratie. Je vous demande donc de revoir votre position et de permettre que cette voix puisse s'exprimer à l'occasion de ce débat.